vient d'arriver à Amsterdam. À Rotterdam, je dis n'importe quoi. Et là, on va manger au marché couvert. Arthur, il connaît, mais pas moi. À ce qui paraît, il y a plein de trucs à manger trop bons à l'intérieur, donc c'est cool. On a un peu galéré pour les transports en commun. Il y a plein de trams, plein de métros. Mais ça y est, on y est. On a encore les valises et après manger, on va aller à l'hôtel. Du coup, voilà. Hôtel. Je filme en ralenti depuis tout à l'heure, donc ça fait vraiment ancien quartier industriel qui a été rénové et c'est trop beau. C'est le même magasin qu'à Paris, je sais pas si vous connaissez, c'est une friperie qui est assez bien triée. Et là on va aller à une autre friperie que j'ai vue sur Google Maps, il me semble. Et voilà, il fait hyper froid, il y a plein de vent. Enfin, il y a du soleil mais il y a beaucoup de vent et je suis... En fait, je suis... Bah là ça va, mais habituellement il y a beaucoup de vent. Et je suis même pas assez couverte, donc j'ai un peu merdé. Mais voilà. J'ai mis mon sac que j'ai chiné dimanche dernier, celui qui ressemble au Bifar. Il est mignon. Tu as payé combien? Vraiment pas cher, mais je le tirais pas, je dévalerais pas mes bails. 2€. Mais ça, je l'ai acheté aussi 2€, mais j'ai un peu fucked up la fourrure. Elle était trop. C'est de la fausse fourrure, mais c'est de la vraie fourrure. C'est de la fausse fourrure, j'ai lapin, entendu. Je pense de lapin. Oh, je suis allergique aux poils de lapin. Et c'est ma petite ceinture Dior qui est vraiment mignonne, que j'utilise pour fermer le bail. Le bail? Comment le bail? On est à Cheap Fashion. Ça me paraît moins cher qu'Épisode. Ouais, il y a des trucs à 10€. Les friperies ici, c'est un peu comme Mad Vintage à Lille. C'est des trucs hyper extravagants ou rien, ou des trucs de merde hyper chers. Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de centre-ville, genre un centre-ville où tu peux faire tout à pied. Du coup, tu marches 8 km. Il y a plein de petites excentrées en fait. Du coup, après, à chaque fois, tu dois refaire du tram et tout. Et il y a plein de buildings entre eux. Ça fait plus ville de travail en fait. Du coup, peut-être que demain, on va aller à Amsterdam. Why not? Pour
avoir plus de magasins vintage, etc. À l'heure chez Episode Vintage et ça ressemble grave à ça, et celle-là elle est à 40 euros. Moi je l'ai acheté 12 euros, donc au final seconde main et moins cher. Ce pantalon il est pas là, pas mal. Bon, du coup on est dans un centre commercial où il y a plein de trucs Nike, Topshop, c'est trop beau et je peux pas acheter vu que c'est mon slow munch challenge. Là, tu me prends d'autres choses. On est dans un dilemme là parce qu'on sait pas quoi choisir. Il est 10h du matin là, on va aller prendre le bus à la gare, on est à la gare d'Amsterdam, de Rotterdam, je confonds toujours, pour prendre le bus pour aller à Amsterdam. Du coup c'est 1h20 de bus et voilà. Bah du coup là on est bien arrivé à Amsterdam, on a dû prendre le bus et après un métro parce que c'était pas, on n'arrivait pas à la gare centrale, on arrivait un peu excentré, voilà. Et il n'y a pas de doute, Amsterdam c'est vraiment plus beau que Rotterdam, enfin c'est trop mignon. Des petits rayons de soleil, il fait pas trop froid, enfin moi je suis encore pas assez couverte mais parce que j'avais vraiment pas pris de veste pour ce week-end, mais avec le soleil ça va, je dirais. On va manger là, mais genre c'est horrible ça. Encore et toujours des burgers. Là on s'est excentré pour aller dans un marché vintage qu'on m'a suggéré, ça s'appelle le marché de Waterloo, donc si vous êtes par ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai mis à 30 euros le double. Bon, c'est tout, c'est de ma faute. Je me suis ruée sur le truc. On va un petit peu dans la bulle. Hein. On a pris des limonades et il a pris du limonade. Il y en a beaucoup, hein. Ah, ah sa mère.
ça va Arthur? J'ai faim. Du coup là les amis, on est de retour à Rotterdam. Il est midi à peu près, on vient de quitter l'hôtel qui était juste en face. Juste à côté de notre hôtel, il y a un endroit où on peut bruncher. Du coup, j'ai trouvé ça sur Instagram. Et ça a l'air vraiment pas mal. Du coup, là, on vient de commander et on attend nos pancakes. Voilà. Après, on va un peu squatter dans l'hôtel parce que notre bus de retour, il est à 20h. Donc, c'est un peu tard. Et j'ai pas envie d'être comme hier et d'avoir hyper froid dans la rue. Du coup, voilà. À tout à l'heure. C'est la partie mignonne. C'est vrai que c'est mignon, mais il fait hyper froid, donc voilà. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment mort. Genre, il n'y a personne, personne. Pourtant, on est un samedi. Piste en fait. Ça fait glauque, on se croirait à Walt Disney, mais en mode bizarre. Bon, les amis, là on est de retour à l'hôtel. On est dans l'endroit bar, du coup on a récupéré nos bagages. Et du coup on va squatter un peu ici parce que c'est vraiment trop beau. Je vais vous montrer juste après, vous allez voir. Et je vais en profiter pour tourner une vidéo en montée. Bref, je vais un peu travailler quoi. Et après, en fin de journée, on ira manger et on reprendra le bus tout simplement. Gros bisous.